Salut YouTube, on fait le tout dernier monde du jeu? Le monde bonus, le monde caché? Et pas le monde cachère? Ha! Pierre Van du monde. Allez, let's go! Une sale mèche, on dirait Tintin devant. Oh, ça, quelle surprise! Ce serait pas le fameux monde légendaire dont parlent les marins de l'espace? Y'a sûrement un paquet d'étoiles à dégoter par ici! Allons les chercher, matelots, cap sur les galaxies! Let's fucking go, Mario 2D! J'ai pas votre temps, moi. Il est 11h30, j'ai mes gosses à emmener au foot cet après-midi, c'est parti. Mario, nettoie le firmament. Ça me dit quelque chose, ça, on l'a pas déjà vu dans le premier Mario Galaxy? Est-ce qu'il y a vraiment 120 étoiles dans le jeu? Ou est-ce que je vais me faire avoir? Et il va y avoir 8 millions d'étoiles au final. L'étoile apparaîtra juste là. Ok, donc il faut se garder un chemin de sortie. C'est ça que le jeu est en train de me dire. Ça me va. Je suis d'accord avec cette hypothèse. Je peux, voilà, faire ça. On va se garder un chemin de sortie du coup. Voilà. Moi je dis il y a 240 étoiles. Premier oui, il y a 240 étoiles, mais il y a encore c'est encore un bait d'étoiles qui servent à rien, ça. Je connais l'astuce, Alios. On va aller faire celles qui sont là-bas avant de revenir. Pa-pa-pa-la. 240 vraies étoiles? Non, c'est mort, j'ai jamais fait 240 vraies étoiles dans mon premier playthrough. Pourquoi on me croit jamais? Parce que tu racontes que des conneries! Oh non, il y a un laser! Oh, je vais mourir là-dessus. Je tiens à remercier ma famille. Retourne dans la lave. C'est bon. Récupérons une pièce. Oh, mais ça dégoûte. Voilà. C'est fini, là. S'il faut faire la même, mais en timé, juste après, je pète un câble. Bon, normalement, pour revenir, j'ai laissé masse de trucs. Énorme. Trop facile, ce jeu, en fait. Alors que j'ai une mise à jour d'OBS et une mise à jour de Windows en attente, je pense que demain, le stream ne se lance jamais tellement tous les réglages vont être pétés. C'est ça qui va se passer, à mon avis. On est quel jour? On est mercredi? C'est marqué sur le stream. Je savais lire. 109. Ah la 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 la. Le Somario peut maintenant voyager plus loin. C'est énorme, ça. On a une étoile comète. Mise à jour d'OBS, ouais. Je crois qu'elle date de ce week-end, mais je l'avais pas fait. Ça fait plusieurs fois que je lui dis faire la mise à jour ultérieurement. Parce qu'à chaque fois, c'est quand je suis sur le point de lancer le stream et je me dis si ça pète tout 2 minutes avant, je vais péter un câble. Donc voilà. Petite comète farceuse, là. Chaos et pièces violettes, ok, ça va. Les pièces violettes. Ça va quand même être un enfer. Je te propose pas. Et tu as peut-être déjà fait ce week-end, hein. Jamais. Ce qui peut expliquer pas mal de trucs. Oh, mais d'accord, c'est des trucs... Oh, ça va être un enfer, ça. Il va falloir faire les trucs de manière ordonnée. Je me déteste déjà pour ça. Aïe! Tombe pas!
Fais tout ce que tu veux, mais ne tombe pas. Oh, ça va être chiant, ça. Faut que je me time correctement. Bon. Voilà. Voilà. Je savais que ça allait être de la merde. Probablement une étoile sur laquelle on va passer énormément de temps. Merci à tous d'avoir cru en moi. Connard. C'est bon. Pas bien. T'es sous contrôle. Ok. Pourquoi j'ai pas fait ça directement tout à l'heure? Je suis dégueulasse. Voilà pourquoi j'ai pas fait ça directement. On va se faire ça. Je sais comment on va faire. Papa, Tis, pour regarder aux alentours. Mais oui, effectivement! Pourquoi c'est tellement smart et j'y ai pas pensé avant? Ta ta ta! Pas trop comment je vais revenir par contre. Ça va être un problème. Oh, j'en ai loupé. Ah mais oui, il y a toutes celles du début que j'ai pas ramassées. Ok. Il y a 100 pièces tout pile, ouais, par contre là, dans celui-là. C'est pas comme dans Mario Galaxy où il y en avait 150%. Là, il y en avait 100 piles. D'où l'horreur que c'est. Pa-la-la-la-la-la. Ok. On a plutôt géré sur ce premier monde. 75 étoiles. Ça va. C'est géré. Oh oui. C'est des mondes un peu fun au moins. La bouboule c'est fun. J'aime bien les bouboules. Vous pouvez sampler ce son. Le long de la route, arc en fucking ciel. Tata. En train de me demander si appeler Bloodborne on fait un autre Souls-like ou pas. Ou est-ce que je change totalement de jeu? On verra. À l'impro. Le talent. On pourrait finir Immortals aussi, Phoenix Rising. Ne perds pas la boule, il est trop marrant. J'adore l'humour. Ça, c'est la même musique que Mario 64, là, le monde d'arc-en-ciel de mort, là, en fait. Il y a un truc à gauche, un truc à droite. Il y a quoi là-bas? Ok. On va piger. Ça va vite quand même. Comment j'ai rien récupéré sur mon chemin? Ça c'est insane. Encore un petit effort? Ouais, mais on va où? J'ai envie de jouer à Mario Kart là aussi. C'est longtemps.
C'est fini là. Énorme. Point faible, trop fort au jeu. J'aime bien quand ça va vite comme ça. C'est vite plié, on n'en parle plus. Emballer, c'est peser. Toutes les expressions un peu de vieux là, comme ça. C'est pas mal. Parada la la. Salut Horizon, comment ça va? Alors peut-être. Pas du tout. Si, il y a l'étoile comète. On arrive au bout de Mario Galaxy 2. Gentiment. La bouboule, c'est fun, j'aime bien les bouboules. Effectivement, j'ai dit ça. Ah oui, t'as eu un petit sub IRLF. J'ai mélangé les deux pseudos. Je suis le pire streamer, tout simplement. Merci à vous. Voilà. Aleph et Ecoban qui ont pété un cap ce matin au niveau des subs. Tout ça pour que je puisse avoir une deuxième emote sur le stream. Vraiment des personnes formidables. Bienvenue à Horizon. Tu as une emote saucisse maintenant. Aleph. Non, je vais faire preuve d'un peu plus de respect envers toi, Horizon. Et je vais garder ton pseudo. Formidable ? Qu'est-ce qui est formidable, Ecoban ? Formidable ? Pas formidable ? Pas Stromae, là ? C'est ton emote, ça, Horizon ? Dépièce-toi ! Dépièce-toi ! Plutôt, avec la voix de Toad. J'ai loupé absolument toutes les pièces. Au square. C'est le petit squelette de Mario Odyssey, ça. Je rêve pas. Je suis pas devenu teubé. Yep, on me dit salut, les joueurs de Mario Odyssey sacheront. C'est énorme, elle est trop cool, cette emote, en vrai. Alors que moi, j'ai une vieille emote saucisse dégueulasse, vraiment. Tout ça pour jouer sur un même new stream qu'on est trois à comprendre. Vraiment. Pourquoi j'ai pas fait une emote cool comme ça? Un jeu que tu pourrais faire, c'est Undertale. Si tu l'as jamais fait, je te conseille très très fortement Undertale. Qui maintenant doit avoir des mods pour pouvoir avoir une traduction française extrêmement correcte, je crois. Donc n'hésite pas à le faire, c'est un jeu incroyable. J'y étais tous d'ailleurs pas à faire Undertale, hein, si jamais. Je suis vraiment dégueulasse à ce point, par contre, j'ai que 68 pièces. Il faut toutes les avoir ou il y en a en rab. Je pense qu'il y en a en rab, mais juste je suis trop dégueulasse. Ouais, s'il y en a en rab, j'en ai loupé plus de 10. Ah ouais, je suis infect. J'en ai loupé plus de 5. Je suis dégueulasse au jeu. Il en restait que 6. J'en ai loupé bien plus que ça. Hein. Ramasse 100 pièces. Ouais, bah je vais le faire, 2 minutes. Il y a que 110 pièces. Ah d'accord, j'avais pas vu. Merci de préciser, Toad. Ok. On va éviter de faire de la merde, là. Putain, mais c'est abusé, c'est vraiment pas beaucoup. Vite. Au square. Au square. Au square. Alors là, c'est bien, je ramasse toutes les pièces, mais je mets 108 ans. Alors, comment on fait? Oh, je la laisse tomber, vous savez quoi? Je tente pas, ça me coûtait trop cher. Celle-là aussi. Oh, 3 pièces en moins. Au square. On n'est pas loupé. C'est un miracle. J'ai loupé combien là? Je crois que je peux plus en louper.
crois que je suis encore dans les temps, mais pas sûr. Si tu loupes. Du moins, Mario Galaxy 2 sur Switch, ça serait pas mal, ouais. Est-ce que vous pensez qu'ils vont le sortir? Moi, je pense qu'ils le sortiront jamais. Et j'ai déjà la mort pour ça. Ok. Ça peut le faire. 30 secondes. Je crois que c'est bon, j'ai le nombre. Ça aurait été cool qu'ils le sortent. Problème, je suis pas patient, même s'ils le sortent un jour, du coup, je l'ai déjà fait. J'ai gagné. Du coup, faut parler à lui. Et tu es arrivé, merveilleux. C'est bon, au deuxième essai. J'ai failli péter un câble. Tiens, mon garçon, j'ai pas fini de lire ta phrase. Je suis désolé. Bon, refaire Mario Galaxy 2 avec une Wiimote, c'est cool quand même. Vous avez vu ma petite Wiimote édition spéciale Skyward Sword, là? J'ai pensé une fortune il y a 10 ans pour l'avoir. Je profite de vous la montrer, hein. Mon truc est... On va refaire Skyward Sword. De l'autre côté, c'est pas les 35 ans de Zelda, là, cette année, ils vont pas faire un truc. Ils pourraient ressortir une collection 3D, Zelda 3D, là, sur Switch. Surtout que bon, Wind Waker, ils l'ont déjà sorti sur Wii U. Twilight Princess aussi. Le portage HD, il doit se faire en 3 secondes. C'est un petit Skyward Sword, là. Et dire qu'ils voulaient pas le faire sur Switch, parce qu'ils trouvent que c'est le plus mauvais Mario qu'ils ont fait. Bon, je pense que c'est de... Je pense que c'est des fausses infos, là. Moi, je dis fake news. Je pense qu'ils sont au courant que c'est pas le meilleur... C'est pas le moins bon Mario. J'adore les rumeurs sur Nintendo à chaque fois, que ce soit dans les annonces ou dans les rumeurs. Parce que c'est, y a vraiment tout et n'importe quoi. Je trouve que c'est le meilleur des deux, Mario Galaxy 2. Moi, je l'aime beaucoup aussi. J'ai plus de nostalgie pour le premier. Mais ouais, je trouve que le 2 est meilleur aussi. Putain, ça rappelle Mario Sunshine. J'ai vraiment fait ça? Ça rappelle effectivement Mario Sunshine, hein. Il y a les mêmes hitbox dégueulasses. Non, c'est juste que je suis dégueulasse. Ok. Moi aussi, je trouve que c'est le meilleur des deux, hein, Mario Galaxy 2. Tu as le plus de gameplay différent. Mario et ses références. Et il se fait référence à lui-même, c'est ça qui est bien. Au moins, il a pas de soucis là-dessus. Elle est où la pièce? Bon, il donne un petit nuage par contre, pour les gens qui savent pas jouer comme moi. On sait que ça passe ça. Square. Ok. C'est bon. C'est bien passé. J'aime beaucoup... Moi je trouve que Mario 3D World, c'est cool qu'il ressort sur Switch là, parce que pas assez de monde y a joué, du coup. Il est sorti sur Wii U. Et autant la première partie du jeu, c'est un bon Mario et tout. Mais autant la deuxième partie du jeu, elle est vraiment incroyable avec ses niveaux ultra durs. Donc j'espère que beaucoup de monde va jouer à Mario 3D World pour se rendre compte à quel point c'est un Mario sous-estimé. Tournebroche Rotor. Ta-da, ta-da, ta-da. Tu le feras en let's play? Tu l'as jamais fait du coup à iRisen non plus? Papa! J'espère que... T'as jamais eu la Wii U? Ouais, bon, du coup... Après, à part moi et trois autres personnes, je pense que personne n'a eu la Wii U. Donc ça peut s'expliquer. Mais c'est vraiment un super jeu, Mario 3D World.
J'hésite à le reprendre sur Wii U, là, du coup, comme il y a le truc sur Wii U, sur Switch. Comme il y a le truc Bowser's Fury, là, pour tester un peu. Ça permettrait de refaire le jeu aussi, accessoirement. Attendez, mais là, on va aller à 8000 à l'heure, là. En vrai, j'ai totalement mal évalué. Je m'excuse auprès de toute la commu. C'est quoi ça ? Mario 64 disait scandaleusement génial. Ah oui, incroyable. Mario 64, un de mes jeux préférés. Hein. Même s'il y a quand même une grosse part de nostalgie hein, dedans. Parce que bon, de manière... Mais je refais la même connerie. Je me déteste. De manière objective, en l'ayant refait sur Switch, là, Mario 64, quand même. Bon. Tout n'a pas très bien vieilli, quoi. Faut être honnête. Étant donné qu'il a mis à l'amende... Il a montré comment on faisait de la plateforme 3D. Ou comment on faisait de la 3D tout court. Je suis pas sûr d'avoir envie de prendre... Qu'est-ce qui s'est passé, là? Comment je suis remonté? Aucune idée. Je suis pas sûr d'avoir envie de prendre... ce petit Yoshi, là. Donc en vrai, si, ça simplifie le jeu à mort. J'ai rien dit, ça simplifie tout. Je me sauve, mais je sais même pas comment. Je pense que je suis trop fort, en fait. J'ai jamais essayé Mario 64 avec ma Nintendo 64, c'est un méga bonheur. Mec, Mario 64, je l'ai fait à sa sortie sur Nintendo 64. Hein. Quand j'avais 6 ans. T'inquiète, hein. Mais bon, c'est pareil, hein. Le jeu, il y a... Quand il jouait, quand il venait de sortir, c'était la révolution, quoi. C'est normal que maintenant, quand il joue, ça ait un peu vieilli, quoi. C'est totalement normal. Et j'ai rien contre ça, hein. Ça reste un super jeu. Je peux pas l'avoir fait, j'étais pas encore né. Bien sûr que si, Alios. Je rappelle qu'il a fallu des mois pour le finir, tellement il était dur. En vrai, il me semble pas avoir mis des mois, je me souviens pas. J'avais mis longtemps pour finir Ocarina of Time, je crois, par contre. Mais j'étais jeune, hein. Parce que... c'est qu'en 96. Je crois que j'ai joué entre 96 et 98 à Mario 64. Je sais plus si j'ai eu ma Nintendo 64 en 96 ou en 98, en fait. Avec mon frère. Mais la Nintendo 64, formidable, hein. GoldenEye, c'est GoldenEye, le jeu sur lequel j'ai plus galéré, je pense, sur Nintendo 64. Largement. Imblairable GoldenEye. Jeu incroyable, hein, mais vraiment avec des objectifs tellement obscurs des fois. Surtout que bon, quand t'as 6 ans, tu parles pas trop anglais, hein, le jeu était en full anglais. Donc forcément, passe pas que des bons moments, quoi. Cyclone de pierre. Je crois que Mario 64, j'avais réussi à le finir assez vite. Par contre, les 120 étoiles, j'avais mis 158 ans à les faire. Je vais faire les étoiles vertes aussi. Je me souviens plus ce que c'est les étoiles vertes dans celui-là. C'est les étoiles avec Luigi, hein, mais c'est les mêmes étoiles. On est d'accord? Parce que si c'est ça, je pense que je vais faire comme le premier Mario Galaxy, là. Non, c'est d'autres étoiles? Je me souviens plus. Est-ce que je peux pas faire ça, jouant le beau jeu directement? Il me semblait aussi. Ah mais du coup j'ai loupé toutes les étoiles en faisant ça. Attendez. Les étoiles sont carrément cachées dans les niveaux, il faut les retrouver. Ah oui, c'était ça. Je pense que je ferai pas ça. Parce que c'est très long. Et c'est les mêmes niveaux. Donc je suis pas sûr de le refaire en vrai. Je crois que je l'avais même pas fait sur Wii. Déjà ça tellement ça m'avait saoulé les... C'est sympa parce que ça augmente la durée de vie mais c'est un peu artificiel pour moi. Ah ouais ça arrête le temps, c'est insane.
Après toutes les étoiles vertes, tu as la galaxie bonus. Sérieux? Si, j'ai dû le faire pourtant. Parce que je l'ai, l'autre galaxie bonus aussi. Je me souviens pas. Oh, elle est là. Je vais me faire écraser. Pas du tout. Trop fort. Ok. Comment j'ai fait ça? Aucune idée, mais je l'ai fait. La merde! La galaxie des champions. Il faut les 120 étoiles vertes pour ça? Enfin, faut toutes les étoiles vertes. Je me souviens plus de ça. Pourtant, je suis quasiment sûr d'avoir fait la galaxie... l'ultime galaxie. Donc ça me trigger un poil. Pourquoi je galère autant là par contre? C'est pas si dur en vrai. Si, ça va vite en vrai, il y a des timings de merde. On va ralentir un peu le tout. Attendre. Il faut les 240 étoiles pour aller essayer les champions. Je me souviens plus de tout ça. Ça fait longtemps, Mario Galaxy 2. Je sais pas si j'aurai la patience de refaire les 240 étoiles, sachant que c'est juste des étoiles cachées dans des mondes. Quoi. J'aurais dû le savoir. Ça dégoûte. Ça, vous voyez, c'est pas un monde que je trouve très fun. Parce que... Ça mise pas... Ouais si, ça mise un peu sur le skill quoi, mais... Surtout sur ta capacité. Ne pas péter un câble. Elle est méga dure à trouver. Les étoiles cachées, tu veux dire? Ok. 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 Je vous avoue que j'ai un peu la flemme de faire les étoiles cachées. On verra. Déjà, on va finir cette galaxie. Entier pour voir ce que ça donne. Je pense que j'ai pas le temps de faire un tour complet. Je pense que si en fait. Genre juste. Ok. Je vais pas remourir là. Et bon, vous savez dans le vide, des fois, triple saut, mural, into tournoiement, bon, ça va, c'est pas des skills très très compliqués non plus. Je crois que c'est de la merde ça, non? Je crois que je vais regretter ma vie. J'aille là, ok. 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 Me fous cul, j'ai pas très envie de tout refaire. Bon. Chiant. Ok. Oups. Papa, papa. Mais ouais, les étoiles cachées, ça me paraît... Ça me paraît être beaucoup de travail pour pas grand-chose.
Les étoiles, ouais. Tu trouves c'est cool à faire? Tu parles des étoiles cachées? On verra si j'ai la patience, mais je pense que je vais pas l'avoir. Bien joué à d'autres trucs. Des étoiles vertes. C'est bizarre parce que je suis quasiment sûr d'avoir eu accès à une autre galaxie après celle-là, sans avoir ramassé toutes les étoiles vertes dans mon premier playthrough. Et je me trompe peut-être. Traverser du Votex sans contre la montre. Ouais, mais c'est ultra long ça. Comment on fait ça? 30 secondes? Ça démarre? Ok, on va faire ce qu'on... Chop ça. On revient là. Tourne-toi. Ça n'a pas servi à grand-chose, on a plus perdu de temps qu'autre chose, mais c'est pas grave. Fais ça. On reste sur place. Fais ça. Into ça. Pas mal. J'aurais eu le temps de passer, je pense. Ta-da-t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 a. Attends là. La base. Énorme. J'ai pas fait exprès, mais je l'ai fait. Bouge ton cul. Je pense que je suis mort. Devant le chrono. C'est où que j'ai perdu du temps? Pas si mal là en vrai, ça me fait gagner 2 secondes. Bien. C'est là où j'ai perdu trop de temps, j'ai trop attendu tout à l'heure. Je pense que je passe, pour me faire écraser, ouais. J'ai mal mis mon pouce sur le truc. Non. Attends quand même. Avec toi. Ok. Let's go. T'es là, hein? Ouais. Ok. Oh non. Score, c'est bon. Ok, tout va bien. Bon, c'est bon! Ouais, t'es large, là. Je crois que c'est le niveau sur lequel on a pu se galérer là, dans ce monde. Horrible. Horrible. On va voir ce qu'on débloque au bout des 120 étoiles là. Il en reste quoi? Il en reste 3-4 à choper non? 4? 4. Boum. Il reste 2 mondes. Ça va vite. La couronne, boss à la chaîne. Tu débloques le boss de fin et après tu débloques les comètes vertes. Ah. Ah, on va regarder ça. Hein. Allez, le boss rush. 1, 2, 3, 4. 4 boss. 5. Pas le temps de compter toutes les planètes. Mais c'est les boss de Mario Galaxy en plus, c'est même pas les boss de Mario Galaxy 2. C'est énorme. Ok, pire joueur. Pire joueur FR. Normalement il se bat en 3 secondes. Donc pire joueur déjà. J'aurais... Je sais pas si j'aurais pas pu. J'ai refrappé direct. Il est mort? Ouais. Il a l'air trop cool, t'as sauvé la princesse, oh mon dieu, c'est quoi ça, les comètes vertes? Là, tu te souviens bien du jeu. Parce que moi, je l'ai fait, hein.
2010. Putain, je l'ai fait il y a 11 ans. 10-11 ans. Je m'en souviens plus du tout. Ok, le poulpe. Là, c'est que des boss easy. J'ai même réussi à avoir l'étoile comète de la galaxie des champions. Ah. J'aime pas si j'ai déjà été dans la galaxie des champions, du coup. Papa, papa. D'accord. Pas du tout sur moi, donc c'est cool. Mort. Yes. Boss suivant. En fait, c'est tous les boss du premier Mario Galaxy, quoi. À la chaîne. Aïe. Je pensais que c'était comme... il faut attendre qu'il sorte. Énorme. La comète est chiante dans ce niveau, je trouve. C'est quoi, c'est pas se faire toucher une seule fois, non? Let's go. Trop loin, peut-être. Non, ça va. 6 minutes pour battre tous les boss. En vrai, ça va. Une fois que t'as la technique, ils sont assez rapides, je pense. Ah, mais c'est vrai, il revient. En vénère. J'ai oublié. Il revient en vénère, tu le sais. Voilà. Bon. Je l'avais, là, on est d'accord. Le jeu me déteste. Je crois que le jeu a décidé de me détester. Et c'est pas grave, hein. Je suis mort. Faut tout que je refasse. Je pensais pas mourir sur ce boss alors qu'il est ultra simple. Ça veut dire qu'il faut tout refaire. Ok. 6 minutes, hein. Je crois que je l'ai déjà fait, donc c'est que ça doit être faisable. En vrai, ils vont vite à battre les boss, hein. Le premier, on met quoi, 30 secondes? Ah. Ce que je voulais voir, on peut pas attaquer deux fois de suite. Voilà. N du premier boss. Bon, l'avantage, c'est qu'on va fermer tout ça, là. Ouais, mais grave, je suis en surtout le quatrième. Ok. On verra. De toute façon, on va le faire juste après, là. C'est un bon entraînement, du coup, de refaire ça en boucle. En mourant bêtement. Il y a tellement zéro challenge, ce boss, là. Alors là, j'ai perdu 10 ans par contre. Bon, moi je suis tranquille. Et t'es mort. Quoi? J'ai flippé. Le quatrième mégalon. On va checker. On va essayer de pas mourir contre lui bêtement déjà. Ça serait pas mal. Histoire de changer un peu. Voilà. Voilà. Ok.
Fin du troisième. Là, il est du premier coup, par contre. Je sais pas pourquoi j'ai autant galéré tout à l'heure. Let's go, boss suivant. Ah, celui-là, ouais. Celui-là est un peu casse-couille. En fait, faut arriver à bien gérer... Je vais mettre deux fantômes dans la gueule en même temps. Ah mais il sort pas deux fantômes en même temps. Là j'ai mal géré. J'aurais dû partir sur la droite. Pa-pa-pa. Ok, viens là. Il a sa deuxième phase aussi, même, ouais, il a sa deuxième phase. Ouais, c'est le plus long, du coup. Clairement le plus long. Papa la papa. Dommage que les deux aient pas été directement dans sa mouille. On va essayer de manipuler pour que ça soit très près. C'est bon. Pas perdu énormément de temps. C'est bon. Et on peut le refaire pareil tout à l'heure, ça va aller. Et donc le dernier, c'est le piranha de feu. Score. Je pense qu'en temps réel on a eu moins de 6 minutes là. Ta-da-da-da-da-da-da. C'est Yongche. Meilleur joueur. Ouais non, t'inquiète. Écoute, on est tous des bons joueurs hein. Ça dépend des jours quoi. Dépêche-toi, merci. Merci Yongche. T'as assisté, je pense. Donc Xavier m'a dit qu'il y avait assisté aussi. C'est vrai que ça s'est pas trop mal passé, ça va. Ça aurait pu être mieux, mais ça allait. Alors que la plante piranha, aïe. Faut pas rester ici, madame. Pourquoi je galère, là? C'est bon. Le timing. Ouais, il m'a dit, Yongche. Cool, du coup. Enfin, c'était court comme présentation. J'ai retravaillé je sais pas combien de fois les diapos pour que ça rentre. Quelle horreur. Enfin bref, c'est fini. C'est cool. Sympa comme exercice. Les conférences par Zoom, par contre, quelle horreur. Allez, let's go. Étoile comète. Ah mais attendez, mais il y avait... Alors, un bail qu'on avait plus vu de trucs verts dans les deux mains, et t'as suivi jusqu'ici? D'en avoir raconté des histoires à dormir debout, allez, va le voir. Le gars après moi d'Intel a un truc intéressant pour la présentation, je me souviens même plus qui c'était le gars après moi d'Intel. Ah, c'est le gars qui bougeait ses diapos avec sa main. Quoi? Mélange les présentations. Et où l'étoile verte? J'ai oublié de récupérer la pièce étoile, non? Du coup, je suis obligé de me la retaper. Je déteste ma vie, non? Ah, c'est ça? Ok. Il y a des émeraudes célestes, c'est notre unique but depuis toutes ces années. Ça me rappelle un vieil âge. Une fois toutes les étoiles trouvées, les émeraudes seront révélées. Donc, faut bien récupérer toutes les étoiles vertes. J'ai oublié, hein.
Putain, je me déteste. Il va falloir le faire trois fois. Le gars qui faisait la pub de Intel Octane, le nouveau processeur. Pas du tout. Pas du tout. Putain, mais du coup, elle est où cette étoile? Enfin, cette pièce. J'ai aucune idée d'où elle est. Je l'ai pas vue tout à l'heure. Putain, je suis obligé de tout me retaper. Il va falloir que tout que je me retape juste après. Oh, quel enfer. La pire VOD. Ah, j'ai pas le temps là, dépêche-toi. Tata. Ça m'entraîne pour le contre-la-montre. Ouais, mais je pense que je suis bien entraîné là déjà pour le contre-la-montre là en vrai. attendez, mais du coup, elle est où l'étoile? La pièce étoile. Et ça, c'est un problème. Parce que moi, je veux bien l'avoir loupé, mais je l'ai loupé où? Allez, dessous. Putain, je viens de l'avoir. Attends. Vas-y. Là, je suis un peu deg, je l'avais totalement oublié tellement j'étais en contre-la-montre contre les boss là. C'est ton truc, j'ai ramassé la pièce. Quoi, c'était pas une pièce ça, si. Attends, je reviens le boss, calme-toi. Voilà. Information technique et le formateur finit sa présentation. Et maintenant, un message d'Intel. Ce dernier processeur, il inclut la technologie. Blablabla. Merci, mettez-moi un 10. Pas vraiment comme ça que ça marche, Alios. Mais c'est vrai que oui, il y a des formations un peu chelou comme ça. J'avoue. Bah en général, de toute façon, les formations, elles sont sponsorisées par des gros groupes. T'as toujours l'instant pub, hein, à la fin des formations. On a fait des formations sponsorisées par Nvidia, nous. C'était la même chose, hein. On prend ton désarroi, Alias. On peut mourir, là. C'est long, hein, quand même. L'instant pub inclus dans la formation. Voilà, totalement. J'ai un peu tardé. Ok. Ta ta ta. Tu veux pas skip l'annonce, ouais, c'est ça le vrai problème, finalement. Tu vis le bruit du Proc Intel par rapport à Horizon aussi. Quoi? Ouais. Ouais. Vous êtes parti dans des débats beaucoup trop évolués pour moi. Je sais même plus de quoi on parle. On parlait de formation il y a deux minutes. Après on est parti sur Intel et maintenant on compare les prix. Ouais, il justifie pas les prix. C'est toujours le leader sur le marché de toute façon Intel, non, dans les procos. Hein. Ah, Ryzen. Énorme. J'adore l'humour. Je pense pas que Ryzen soit un processeur Intel. Alors c'est un processeur Intel qui me parle. Et ouf. Imaginez la découverte, les gars. Papa, 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 papa. Oh non, il refait ça, il est chiant. Donc là, ils sont au milieu. Il faut vraiment que je reste collé à lui, du coup. Voilà. Allez, on est reparti, gros. C'est moi qui crée les processeurs, je le savais. Il y a que des cracks sur ce stream. C'est bien le problème. Le mec le moins doué ici, c'est le streamer. C'est quand même abusé. Vite. Voilà. File-moi Horizon 9, STP. Je vais les appeler les Horizon, mais trop long. Je comprends. Oh non! Ça dégoûte. C'est bon. Moi j'ai créé l'humour, merci à tous. Mec. Créer des pages wiki, c'est déjà pas mal. Alors pas trop t'en demander non plus, quoi. J'ai créé le malaise.
J'ai créé le cringe en 96. Avec ma naissance. Je suis pas né en 96. Cette blague ne marche pas. Allez, on va essayer de pas mourir bêtement. J'espère que vous avez aimé ce boss rush, hein, parce qu'on va se le retaper juste après. Putain, elle a mis 8 ans à pu être en feu. Toi non plus, t'es pas né en 96? Dommage. On a presque pu avoir un point commun. Bah qu'on a finalement, étant donné qu'aucun de nous deux est né en 96. Bon. Comment ça m'emmerdait. Voilà. Très bien. Vous avez aimé qu'on le fasse une deuxième fois? Vous allez adorer qu'on le fasse une troisième. Petite annonce à mis sur le stream. Horizon 11. L'année prochaine. T'as le ouf. Bientôt Baron Bébert à la GDQ. C'est vrai que j'ai commencé à prendre le speedrun de Demon's Souls. Le remake là sur PS5. Je connais les 10 premières minutes en speedrun. Sur l'heure. De speedrun. Voilà. Donc bientôt à la GDQ. Avec Demon's Souls. Mais chut hein. Ça reste un secret. Meilleur temps battu, j'ai mis 5 minutes 45. On peut pas faire le boss rush tout de suite. Ça dégoûte. Il faut 2000. J'ai 1100. Vous savez ce qu'on va faire du coup. Vous le savez. Vous-même vous sachez. Si seulement j'avais la foi de m'entraîner à Meat Boy Forever aussi, je pense que je pourrais faire un truc pas dégueulasse. Peur de faire grimper mes stats de speedrun. Non mais le speedrun ça demande trop de temps. J'en ai pas. J'ai à peine le temps de faire de la merde ici. Imaginez, non mais si je commence le speedrun sur cette chaîne... Là, on sera vraiment dans le... On sera trop dans le suicide commercial. Pourquoi il y a Harmonie ici? Parce qu'elle m'aide, parce qu'elle est trop mauvaise. On est à 1100, hein, donc il faut à peu près 900. On fasse ça 9 fois. J'espère que vous aimez l'emmerdement, hein, parce qu'on va le vivre. Voilà. Énorme. J'adore mourir. On refait la même, mais on meurt pas au premier saut. Pire, tu meurs à la fin à chaque fois. Ouais, c'est ce que je comptais faire. Mais Le truc, c'est que si je meurs au début à chaque fois, parce que je fais pas exprès... Le problème, c'est que je fais pas exprès de mourir en général. Je sais qu'on dirait pas parce que je suis un joueur pro, mais la vérité, c'est que je fais pas exprès de mourir. En vrai, je le trouve dur, hein. Il y a certains passages qui sont vraiment durs là. J'en ai loupé une, vitesse. Au revoir. 144. Bon, tu es trop modeste. Non, je suis réaliste. Je suis dégueulasse, je ne sais pas jouer aux jeux vidéo. C'est gentil à Ryzen d'essayer de me soutenir, mais. Je sais que vous rigolez tous dans mon dos. Comme quand j'étais en CE1. J'arrête de faire cette blague. Ça fait tout le temps. Faut que je recycle mes vannes. Hein? Je fais comme Gad Elmaleh, sinon je les pique aux autres. J'ai cru que j'allais pas survivre à ce saut. Décidément, celle-là, je ne l'aurai jamais. Au revoir. J'ai une impression de déjà vu, tu crois? Je vois pas de quoi tu parles. On le fait encore 7 fois. J'espère que tu passes un très bon moment YouTube sur cette VOD. Vous savez que... Enfin du coup tous les jours là, il y a une vidéo maintenant qui part sur ma chaîne YouTube. Enfin bref, ça c'est anecdotique à la limite. C'est pour être corpo, hein. C'est pour faire style, je mets des trucs sur ma chaîne YouTube.
Et je pensais qu'elles avaient zéro vue. Mais en fait, pas du tout. C'est juste que je sais pas lire les stats YouTube. Vous rendez compte que j'ai une vidéo qui a 250 vues, je sais même pas comment. Insane, hein. Après, moi, je m'en fous. Mais... je sais pas lire les stats, voilà. C'est ça qu'il faut retenir. T'inquiète, YouTube, sur les miennes aussi, c'est éclate. Ah, mais... C'est un peu un stream pro emmerdement ici, donc... ils ont l'habitude aussi, je pense. Personne regarde les vidéos. Hein. 100% des gens qui ne regardent pas les vidéos ont trouvé ces vidéos chiantes. T'as rien que stream, on s'emmerde. Alors la vidéo YouTube, je vous explique pas. Hein. C'est horrible. Pa-pa-pa-pa-pa. Un peu trop à droite. Je parle uniquement de mon Mario, hein. Pas de mes idées politiques. En fait, faut pas paniquer du joystick. C'est bon. Alors, on est à la moitié. C'est quand même un super niveau pour farmer les fragments d'étoiles, ça. Merci Nintendo de l'avoir inclus. Et du coup, c'est un peu nul d'avoir mis 2000 fragments d'étoiles, c'est trop, quoi. Et du coup, tu fais un peu ce farming chiant. Vole le truc, il voit pas le fond. C'est vrai. T'as raison, Ryzen, là-dessus. C'est dur à dire I Ryzen. Le problème, c'est le I. Oh putain, pourquoi je bouge le stick Ou je dis Ryzen. Ou Rai. Ou Ray. Ou R. Je trouve un petit surnom amical. Tel que... Re-re. Truc horrible. Normalement, les gens disent pas le I. Et moi, je suis Corpo. Et on va dire Ryzen. Ryzen ? Ryzen ? Comment on dit ? Ok. J'en ai loupé une, je me déteste. Je mérite pas tout votre soutien. Tu disais Ryzen. Ryzen. Je vais dire Ryzen. Le pire gars. En vrai ça va. MC2 c'est ok. C'est ok. Les gens des fois qui viennent, leur pseudo, j'ai du mal. Hein. Ils sont beaucoup trop longs. Je crois que j'ai des débuts de dyslexie en plus. L'horreur. Peut-être parce que je parle trop aussi. C'est normal que je dise beaucoup de merde si je parle trop. Je pense. Il doit y avoir un effet probabiliste là-dedans. Tiens, parlant de merde. Vous avez vu ce parcours ? Pire de la merde. Bon, il en manque 200 là, deux fois et c'est fini. On a bientôt fini de s'emmerder YouTube. Imagine, t'as un viewer, elle s'appelle. Ouais. L'horreur. Des fois, il y en a qui ont des pseudos vraiment marrants. Alors, par exemple, on a eu Gros Tub qui a follow. Bon, Gros Tub, c'est pas le plus drôle, hein. Mais ça fait toujours son effet, vous voyez. Et le pipi caca, ça fait toujours rire. Hein. On a beau dire. Ok. On se casse. Ah non, il en manque 100. Ok, dernière fois. Cette fois, je l'ai fini par contre. Un peu plus de ce niveau. J'ai l'impression de jouer au flipper. On va faire Pokémon Pinball. Je vais même pas en avoir 100, si c'est bon.
Meurs pas, s'il te plaît. Faut pas que je meure, surtout. C'est plus ça. Oh putain. Comment j'ai fait pour rebondir comme ça? Après, j'en viens de l'inter. Le compte. Autopub de merde a été créé sur Wikilia. Autopub de merde? Quoi? Qu'est-ce que c'est que ce compte? Par contre, il va falloir que je finisse le niveau, là, parce que ça commence à se voir. Je suis désolé YouTube pour cette VOD beaucoup trop longue. Je pensais que ça passe si je reste au milieu. J'ai un peu flippé. Non mais faut tester, on est là pour tester, je passe à gauche. Je sens qu'à droite j'étais un peu en retard. Ok, ne pas mourir. C'est bon. Ok. :42, c'est le compte. Your username will be adjusted to type name here due to technical restriction. Énorme ça. Qu'est-ce que j'appelle trop longue? Tu veux dire en durée de VOD? Voilà, ça fait plus d'une heure. C'est long les VOD de plus d'une heure. Remarque, j'en ai posté qui faisait 4 heures. Voire 6 heures. Les premières VOD de Mario, elles font 6 heures, là, de Mario 64. Horrible. Ça fait toujours 1h30. Ouais, j'essaie de rester en dessous de la barre des 1h. Ou environ de 1h, quoi. Mais bon, là, là, il faut qu'on se fasse la galaxie entière. Donc bon. Je peux te taper des barres en lisant les noms des Wikipédiens. Ouais, ça, je pense... De toute façon, tous les pseudos, il y a des fois, il y a des barres. Et on dirait bien que t'as trouvé un gaffe l'humain, porte bien son nom, prépare tes trucs là. Allez vas-y on bouffe. Et toi copain, t'as des fragments pour moi? J'ai faim, donne-moi 2000, j'avale, je me transformerai. Bah let's go hein. Les pseudos, il y a toujours des gens créatifs en vrai. Ça fait plaisir. Au crédit de live, ça fait trop de VOD. 1h30 c'est le mieux. Ouais mais bon, ça fait des... Ça fait que tu peux alimenter plus régulièrement ta chaîne. Je pense, je sais pas, il y a deux écoles. Je pense que c'est le mieux. J'ai oublié de faire le transformation. Je suis désolé. J'espère que tu me pardonneras, YouTube. Nouvelle galaxie est née. Bah, let's go. J'adore les nouvelles galaxies. Couloir à coulisses. Je viens pas. Ta 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 ta. Saumural phénoménal. Moi, je suis trop BG. Hier à 6h23. Ça va quand même être des gens qui se disent « Ouais, je sais pas d'idée, vas-y, je mets moi, je suis trop BG, quoi. » Je peux pas croire qu'il y ait du premier degré dans ces pseudos. Yes. Mais on sait jamais, hein. Ah, du coup, je peux faire ça? C'est ça que je voulais savoir. Merci à tous. Imagine des VOD d'1h30, j'en ai 4-5 par semaine. Pas mal ça. Genre juste tellement tout et n'importe quoi maintenant moi. Oh j'ai une VOD par jour, je voulais voir si on pouvait aller là. La réponse est non. Juste avant, j'ai eu Jésus le petit chauve. Et que des pseudos pas mal. Ah j'ai 2-3 followers, ils ont des pseudos pas mal hein. Après, il y en a beaucoup, ils sont assez peu créatifs, quoi. Ils mettent un nom un peu random avec des chiffres derrière. Mais sinon, il y en a 2-3. Je sais pas où elle va être, cette foutue pièce. D'ailleurs, c'est déjà la top. Je sais pas si je l'ai pas déjà eu. De toute façon, top dans un pseudo, c'est la base. Hein. C'est la base de l'humour Twitch. Pas trop leur en vouloir. Je
J'étais en train de réfléchir. Attendez. Comment fallait le passer? Ok. Pour le moment, mes deux QI arrivent à s'aligner pour faire ce level. Oh bah oui, c'est trop marrant. Oh, attends, trop marrant. Trop marrant, la tub. Ok, c'est pareil que tout à l'heure, donc ça va. Elle où la pied-pièce, s'il vous plaît. Je pense qu'on va la voir. Il y en a qui veulent nous foutre la mort en nous disant « Ouais, regardez comme elle est dure à attraper. » Bande de chiens. Je vais mourir là-dessus. Pas mal. Elle était pas là. J'étais sûr. Ok. Retour en arrière. Je sais pas si c'est possible. Bien sûr que si. Tout est possible ici. Ouais, ça va être chiant en fait. Au secours. Calme-toi. Calme-toi. Pas grave, c'est juste avant. J'aurais dû sauter dans le vide en fait. J'aurais gagné du temps. Eh mais du coup ça va être un peu chiant. Hein. Ouais, mais comment on fait en vrai? Vraie question. Ah, faut passer par-dessus. Ouais, si, mais je suis trop débile. En fait, faut pas du tout faire ce que je fais. Je vais voir. Oui, je vais là-haut et je long jump sur les trucs. Moi, j'essaie de faire un truc skillé, alors que j'ai pas de skill. Va au bout et long jump, je crois. Ouais, c'est ça. Moi, j'essaie de jouer le beau jeu, mais ça sert à rien. Bien compris. Bien compris que ce que vous aimiez, c'est des trucs nuls. Ok. Et là, c'est les rouges de sortie. Ok. C'était un peu juste quand même. Je meurs à combien de pourcents en faisant ça? Zéro. Le savoir-faire, tout simplement. La Wiimote, mon pire ennemi. Énorme. J'ai un peu paniqué. Mais au final, tout va bien. Papa, papa! Il manque 2 étoiles. Le boss rush et l'étoile bonus de ça. On va y arriver. Ta-da-da-da. Bon, c'est par le boss rush d'ici, du coup. Ta-ta-ta-ta-ta. 100% c'est mon double. Ouais, y'a moyen. Du coup, il faut pas hésiter, quoi, sur les plateformes. Bon, déjà, le boss rush. Sachant qu'en normal, je l'ai fini en 5 minutes 45 et j'ai été chercher la pièce étoile. Donc j'ai perdu 10-15 secondes. Plus j'ai bégayé sur la taupe. On va voir. C'est le moment du speedrun.
Boum. Boum. C'est 5 minutes ? Pas du tout 6 minutes ? On m'a menti ? Ok, là je commence à paniquer par contre. 5 minutes c'est pas beaucoup. Non mais, de leur moyen de récupérer des petits chronomètres. Je pense que c'est ça. Merde ! Je crois que c'était fini. J'ai un peu paniqué. Notre rush en 5 minutes ? Oh, j'essaie de pas bégayer alors. Après j'ai mis 10 secondes là. Bon bah rushons hein. Ouais mais il y a une pause à chaque boss et tout donc ça va aller. Je pense que ça le fait. Peut-être pas. Allez vas-y lance. On va essayer de pas louper un... de pas skipper un... de pas skipper d'ananas. Ou peu importe ce qu'est ce fruit. Un peu genre les... Pas vraiment. Quoi ? Ça dégoûte. Je suis dégoûté. Bon, 4 minutes de boss. De toute façon, c'est le quatrième boss qui va prendre du temps. En vrai, c'est large faisable. Hein. Après, là, tout de suite, mon problème... C'est quand même que... j'ai plus qu'un de vie. Normalement, j'ai le temps de faire ça. C'est bon. J'aimerais bien pouvoir passer les cinématiques, ça me frustre. Ça me fait perdre le flow. Il est où, là-bas ? Viens. Putain, il marche sur ces trucs. Je le déteste. En vrai, il y a large le temps, hein. Je dis ça pour me faire bolosser comme un connard. C'est bon, j'ai eu peur. Le temps de récupérer une petite pièce ? Y'en a pas, tant pis. Oh mais y'en a là ! Qu'est-ce que je raconte, moi ? Pas besoin. Ok. Bon, c'est celui-là qui va prendre énormément de temps. Là, au début, ils sont un par un, c'est ça qui est chiant. Ah non, il y en a deux. Donc ça va. Le problème, c'est que je me suis fait avoir. Et j'ai eu la bonne RNG. Ok. C'est bon. C'est vrai que j'en ai deux aussi là au début. Ouais, aussi, pas que je meurs bêtement. Et ça par contre, pas de problème. Allez, viens. Ah, y'en a qu'un. Oh, ça dégoûte. Je me fais toucher en plus tellement je suis dégueulasse au jeu. Ah non, y'en a deux. C'est bon. Ça pue quand même, hein. Ne pas se faire toucher, s'il vous plaît. C'est bon. Le problème, ça va être de pas se faire toucher à l'autre, par contre. Je récupère une pièce direct en arrivant. Là, je suppose qu'il y en a pas. Bon, il y en a plein là-bas.
Il y a 50 minutes pour le battre encore. Il en faudra une autre. Il n'y en a qu'une, ça dégoûte. Ok. Il va falloir bégayer. Hein. Je touche deux fois encore. Là, c'est un problème. Ça va. La gérance. Ok. Bah, merci à tous, hein. Dernière étoile. On n'en parle plus. Qu'on aille manger. On se quitte. Ta-da-da-da, ta-da. 119. Finalement, on était large, j'entends. Au revoir. Fuck le monstre. Non, mais c'est avant tout des années de pratique, Ryzen, tu sais. Énormément de... Énormément de temps perdu joué à des jeux vidéo. Normal, ça paye à un moment. Non, tu divertis encore ? Je divertis encore, je pars jamais. Non, c'est la dernière étoile et après je vais partir. Malheureusement, je vais devoir passer le restant de votre journée sans moi. C'est que ça va être dur. Mais après, je reviens demain, donc ça va, vous inquiétez pas. On se revoit dans moins de 24 heures. Verti. Diverti. Ah ouais, diverti, verti. Oh, je viens de piger. J'ai un peu honte. Pourquoi ils viennent pas, les messieurs, là? Je sais pas si ça va être dur, ça. Je pense pas. Je vais me faire karma instant en ayant dit que je pense pas que ça allait être dur, d'ailleurs. Wiimote de merde. Wiimote de merde. Et demain, tu sais pas, tu seras réveillé. Je pense que tu te réveilles avant 13h quand même. Même en vacances. Ah ouais, mais quoi. T'es fort. Je vais faire de la merde. On va donner des coups francs de Wiimote. Ok. Ce serait plus facile avec... Je sais pas si ce serait plus facile avec une manette pro en vrai. Si, parce qu'on aurait que à appuyer sur un bouton en fait. Ils sont sérieux ? Faut pas bégayer quand même, hein. Je suis Ken. C'est bon. Je suis un peu Ken. En tempo. Ça se passe bien, hein. Pour le moment, on est sur du plaisir. J'étais obligé de tempo là. Tempo mon cul, ouais. non. Mais quoi? Non, mais t'inquiète. C'est... Passe, tu pars quand tu veux, hein. C'est la famille, ici. Non, non. Pire moment. Juste appuyer sur Y, ouais, c'est tranquille, en vrai. En vrai, c'est tranquille. Je vais vraiment mourir parce que j'ai plus de vie. C'est juste le passage un peu chaud. En fait, c'est les pics le problème, là. Après, faudra juste bien se timer au niveau du reste. Je crois que j'ai bug abuse les pics. Quoi ? Je déteste.
Faut pas bégayer, hein. C'est bon. Ah, les 120. Je crois que j'ai bien mérité de manger. Je pense que j'ai fait pas mal de boulot. Plus que les vertes. Encore les vertes. Je suis en train de dire. Il y en a vraiment 120 de vertes. Oh, ça va être dur, hein. Et par les fils de mon caleçon, par les fils de mon caleçon, j'ai vraiment dit ça, je me déteste. Par les fils de mon caleçon, un autre bonhomme vert, c'est tellement rare, bravo Moussaillon. On dirait bien qu'il y a quelque chose à te dire, Batelot. Que peut-il bien avoir à me dire? Surtout, où est-il? Pas ce vaisseau de mort, il y a trop de monde. Là-bas. Avoir ramassé toutes les étoiles ne suffit pas, il faut aussi vaincre ce monstre de Bowser, sinon on reverra jamais les étoiles vertes. Ah, faut le refaire. Bien, on refera peut-être ça dans la prochaine VOD de Mario Galaxy, ou alors peut-être qu'on ne jouera plus jamais à ce jeu. On verra YouTube, à toi de voir s'il y a une prochaine vidéo ou pas. Des bisous YouTube! Merci d'avoir regardé cette VOD beaucoup trop longue sur la galaxie supplémentaire. Des bisous.